Salut les copains, salut les gars, bonne année à tous. Et ouais, bonne année, bonne santé surtout. Et ouais, on change pas les habitudes. Premier jour de l'année, et je suis sur le vélo, avec du soleil, 12 degrés. Comprends plus rien ici, comprends plus rien. Tu peux le constater, que j'ai pas de protège-oreille, bonjour. Que j'ai pas de protège-oreille, je suis avec les belles couleurs du club. Et ouais, il fait pas trop froid, donc on peut se permettre de mettre la petite veste longue du club. Et ça, c'est les plus belles couleurs, mon pote. Ça te rappelle rien, ce maillot? Bah, si ça te rappelle quelque chose, tu le mets dans les commentaires. Avec les sponsors. Un nouveau sponsor qui arrive pour la saison, un gros sponsor aussi. Aujourd'hui, c'est pas de la rigolade. J'ai de la bosse à monter 6 fois. J'ai du tempo à faire. Et j'ai des sprints. Tout ça dans la même séance. Hein, tu crois? Écoute. T'entends? 1er janvier, première crevaison. Moi, je pense qu'on va en gagner des courses cette année. Non, le caillou est pas sorti. Le caillou est là. Ça sent les victoires, les gars. Bon, bah, 1er janvier, première crevaison. C'est top, hein, les mecs. Bon, les gars, moi, je sais pas comment tu changes ta chambre arrière. Mais moi, quand, tu vois, quand je la change, je retourne le pneu complètement. Moi, je suis sur des feuilles, donc heureusement que je suis pas sur des graviers. Là, je regarde, comme un grand garçon, s'il n'y a pas d'autres cailloux dans le pneu. Parce que si tu remets une chambre arrière et puis tu recrèves derrière, bon, voilà, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez les conneries, quoi. Je repasse 2 fois, je suis un peu taré moi. Faut que je repasse 15 fois avant que. Ah, je suis sûr là qu'il n'y a rien, tu vois. La chambre arrière, elle est morte. Ça, tu jettes. Mais non, abruti, tu jettes pas. Attends, c'est pas une poubelle la nature. J'entends un pshh dans la bosse, qu'est-ce que je fais? J'ai les trilles de frein, je l'augmente, je lui dis ça touche sur la jante. Ah ouais, ça touche sur la jante, ouais. T'as crevé, Garine. Bon, ça, c'est des pneus, tu vois, ils sont. Ils sont pas chiants, là. Ils sont super souples. Oh, t'es pas emmerdé pour les changer. Il y a des bagnoles, le premier. Ils dorment pas, les gens, ou quoi, là? Massi Tornado, si tu connais. Ouais, si tu connais pas, moi, je mets ça dans une courbe coupée à l'ancienne, quoi. Putain, mais quelle connerie, hein, de faire du vélo le premier. Ouais, parce qu'il y a un dicton hein, dans le vélo. Hein. Quand tu crèves, ça ramène des bouquets. Bon, bah, voilà, comme ça, c'est fait. Quand tu crèves trop, ça ramène des chutes, alors faut pas trop crever. Ah, je connais, j'en ai fait preuve l'année dernière. Il sent qu'il vient. Et là, on va pompette comme un abruti. Et là, pour monter à 8 bars, mon gars, j'ai passé une demi-heure. Moi, je regarde aussi ça. Alors, je sais pas si beaucoup d'entre vous le font. Mais moi, tu vois, je vais regarder si elle n'est pas pincée entre les jantes, tu vois. Donc, je commence par la valve. Et je regarde si c'est pas pincé, tu vois. Ça, c'est un truc que je regarde, tu vois. Je regarde des deux côtés si elle n'est pas pincée la chambre arrière entre le pneu et la jante. Parce que là, tu repars, paf! Ça repète mon gars, t'as l'air d'un con. Hein. Donc tu démarres par la valve, tu fais le tour de ton pneu, et après tu gonfles à mort, hein. T'es sûr que c'est bien enclenché. Ah c'est les anciens qui m'ont appris ça. Le papa, tout ça quoi. Je pense que je vais acheter des petites bouteilles, là, comme ça au moins ça ira plus vite. Ouais les copains. Alors moi je remets ça dedans. Tu vois j'ai une petite pochette. Enfin, alors, je pense que tout le monde a son petit truc. Hein. Tout le monde a son petit truc pour ranger ses chambres à air, ses pompes, etc. Mais moi, je suis ouais, comme les anciens. Surtout, ne pas jeter ça. Hein. Jette pas ça comme un teubé dans la nature, hein, mon gars. C'est pas une poubelle, la nature. Hein. Je suis même chiant avec ma femme et mes enfants. Hein. Faut pas jeter ça dans la nature. Hein. On jette pas les conneries dans la nature. Hein. Il y a des déchetteries pour ça, le mec. Ouais, je suis un vrai con. Ouais, je suis un vrai con, non. C'est comme ça qu'on vient. Voilà, moi je mets ça dedans, tu vois. Bon, là, elle est morte. Heureusement que j'en ai une deuxième dans la poche. Ah, je mets ça dedans, là, et après je mets sur mon cadre. Enfin, dans mon porte-bidon, quoi. J'ai pris 12 minutes pour changer le pneu. Bon, je suis pas rapide. Mais tu vois, je préfère faire ça bien, comme ça c'est fait, quoi. Allez, je suis reparti pour l'entraînement, à tout à l'heure, les copains.
aujourd'hui c'est dimanche. Bon, dimanche, on va retrouver Antonio, Maxime, Florian et peut-être mon frère, je ne sais pas. Tu vois, avec les pédales, elles sonnent bien. Bon, j'allume le compteur. Peut-être c'est ce que je fais à la mort. Donc c'est un Brighton. Qu'est-ce que t'as comme compteur, toi? Garmin, Brighton, t'as quoi? Tiens, dis-le moi dans les commentaires. Il y a, c'est le Brighton Aero 60. Donc là, les gars, tu vois, non, je suis obligé d'aller dans réglage. Hop, réglage. Je dois aller dans capteur. Et je dois aller dans puissance. Voilà. Là, il reconnaît les Favero Duo Asomnia. Hop. Donc là, je suis obligé de tourner les pédales. Ouais, malheureusement. Je suis obligé de tourner les pédales pour qu'ils le reconnaissent, tu vois. Et là, je dois faire un calibrage. Et tous les jours, enfin, à chaque sortie, je fais ça. Donc là, calibrage. Et dès que je vois 0, c'est que c'est bon. Si tu vois ici un chiffre autre que 0, c'est que c'est pas bon. Ton calibrage n'est pas bon. Ça, c'était pour information. Enfin, moi, ça. Il y a du soleil qui s'annonce. Tu vois, le soleil arrive. Bon, aujourd'hui, on a habillé. Tu vois, on a habillé un petit peu comme. Tu vois, j'ai mis la veste de mon club Gournay-en-Bray, et puis j'ai la Jumbo Visma, tu vois. Ça va bien ensemble, tu vois. Alors peut-être un nouveau design pour le club l'année prochaine, je ne sais pas. Pour l'instant, bon, tu l'as vu hier, le maillot qu'on a actuellement à Gournay-en-Bray. Mais je suis en train de réfléchir pour faire un nouveau design pour la nouvelle année 2023. Tu vois. Donc je suis en train de réfléchir sur le maillot. Donc si tu as une idée, les couleurs sont jaune et noir. On se rapproche vraiment de la Jumbo. Hein, à réfléchir à ce qu'on fera l'année prochaine avec le maillot 2023 de Gournay-en-Bray. Bon, là, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'endurance, 3 heures. Copains, on se retrouve tout de suite avec les champions du monde, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le championnat du monde. Oh là, les gars, Bitonio, il est là. Quick Step, salut mon pote. Bonjour, salut, ça va. Salut, copain. Meilleur vœu. Hein. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, gars. Bonne année. Voilà, je filme parce que le soleil, alors c'est vrai que c'est rare ici. C'est beau là. Qu'est-ce qu'il dit l'américain? C'est un comédien. Ah bon? Vous êtes à la droite là? Grosse bosse de 14% en 36-30. 340. Vas-y, on monte hein. On va avec vous, après on tournera là-haut. Toi, c'est une petite femme en mini-jupe, regarde Nicolas. Oh, putain. Oh, je filme. Trois maisons. Trois maisons. Il commence à me faire chier à cracher sur la gueule comme ça. Ça, Maxou? Ouais, toi? Bah, je sais pas, respecte pas les ouais, toi, toi. Hein. Bah, je vous attends, hein, t'as qu'à maigrir. Il y a le cul de babouin qui l'a lu. We'll be right back.
Voilà. Florian, c'est bon alors? C'était la sortie? Ouais, très bien. Mais sois pas rouge, sois pas timide, hein. Ils vont pas te bouffer les mecs. Hein. Ouais, je suis timide. Voilà, Nicolas a fini, c'est bon? Enchanté, bonne sortie. Bonne sortie. Hein. Puis là, t'as Maxime, là. Puis là, t'as Antonio. Hein. Bon, voilà, les gars. Nous, il reste 2 heures. Hein. C'est marseillais, celui-là. Ah, c'est vraiment marseillais. Donc nous, il nous reste là, moi et Antonio, il reste 2 heures, ils doivent rentrer les tchots là. Moi, je rentre pour 20h avec Nicolas. Ouais. Nicolas, combien il te reste toi? Bah, voilà, ça fait encore un peu d'heures. Hein. Ah, Nicolas, sur Dieppe là. Ça repart sur Dieppe, nous? On va manger une moule frite? Bah, de Crillon à Dieppe, t'as au moins 90 balles. Hein. Ah, ouais, non, mais ça va aller tout seul. Hein. Après, on part. Endurance puis... à 325 watts de moyenne. C'est bien? 325 de moyenne. Ah, ouais, 325. Ah, ouais, non, mais non. Mais comme toi, elle est marseillaise. Allez, on y va, les gars. On y va, sur on va se reproduire. Bon, bah, Nico, à plus tard. À bientôt. Maxime, à plus tard, un bisou. Puis Arnaud démarre. Non, je suis pas Arnaud démarre. Bah, tu ressembles à Nono, excuse-nous, hein, mais c'est comme ça. Hein. Je vais aller lire son livre, là, enfin. T'as raison, faut le lire. Donc Nono, si tu peux nous envoyer un livre à nous aussi. C'est moche, quand même, ou pas? Heureusement, parce que je sais pas trop bien lire alors. Ok les gars. Bon allez, bon retour mon Maxou. Bon retour les copains. Bon dimanche. Faites attention. Faites attention aux bagnoles. Hein. Bisous mon Nico. Bisous les gars. Bisous, bon dimanche. Hein. Ciao. On y va, copains. Là, nous, il nous reste 2h30. C'est long. Le problème, c'est que eux, ils rentrent avec le vent dans le dos. Bon, bah, nous, on rentre avec le vent de passe. Hein. Ah, mais nous, on veut gagner des courses. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est juste des coéquipiers. Voilà, tout à l'heure, on se dit tout à l'heure pour le débriefing, comme ça. Hein. Comme d'habitude. Ouais, tout à l'heure, nous, il reste 1 heure. 66 bornes, on sera à 90. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure, les gars. Bon, bah, voilà. Voilà, les gars, bon, on a fini la sortie. Une belle petite sortie tranquille avec les copains. Bon, on est parti avec le soleil. Bon, tu l'as vu tout à l'heure dans la vidéo. Hein. Et on revient avec le soleil. Entre deux, bon, il faisait pas si beau que ça. Quoi. Ouais. On a assez bien. Ouais, par contre, on a un truc à dire. Ouais. Parce que la dernière fois, c'était sur la sécurité. Ouais, bah, on y revient, quoi. Ouais, donc là on y revient, mais ça sur une voie verte, donc tu vois, tu sais très bien qu'on passe sur une voie verte, on rentre sur une voie verte, tout ça, tu sais ça, de toute façon tu as vu les vidéos. Hein. Bon, les clébards, faut les attacher les gars, parce qu'on s'est fait courser par un petit chien. On a fait vite, mais, pas le choix, ouais, mais par contre faut attacher vos chiens. Ouais. Hein. Non, parce que le prochain coup, moi je descends du vélo, puis ça va mal tourner. Hein. Tu prends le chien, quoi. Ouais, tu prends le chien, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est dangereux, quand même. C'est dangereux parce que si le chien se met dans le rayon, bon bah voilà quoi, après on fait quoi? Nous on chute, le chien est mort, tout le monde pleure quoi. Hein, donc bon, on va faire attention. Bon, on va revenir à la sortie, c'était une petite aparté quand même. Parce que bon bah après il n'y a pas de sponsor au niveau chien. Non, on l'a pas trouvé encore. Donc si vous trouvez un sponsor pour les chiens, parce qu'on est Vulcanette, Ecoy, bon voilà, maintenant le chien. Toi l'étage. L'étage, t'as un chien toi? Ouais. Pas un collier pour Antonio? Mon chien est toujours attaché. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je fais attention. J'y tiens. Même chez toi, il est attaché? Ouais. Donc, sortie de 3 heures. Alors, on a bien. Bon, c'est malheureux parce qu'on n'a pas pu tourner la vidéo quand on était en train de tourner en relais. Oui, le relais. Parce que c'est compliqué à tenir la caméra. Oui. Hein, un beau petit relais. Pour relais, par exemple, 10 bornes. Oui, 10 bornes. 10 bornes, on a respecté les watts. Bien. Tranquille, et c'est pour ça qu'on va acheter une GoPro. Enfin, moi je vais m'acheter une GoPro, je sais pas si tenu ça, acheter une GoPro, mais on va acheter une GoPro pour la mettre en dessous. Et quand on fait les relais comme ça, et ben il n'y a pas besoin d'allumer la petite caméra DJ Osmo. Là. Puis on est au cœur de l'action. Au cœur de l'action, tu vois comment ça pédale. Tranquillement. Voilà quoi. Bien, bien, bien. Bon, c'est pas qu'on vous aime pas les mecs, mais là on a raclette qui attend. Il nous reste encore 10 km. On a usé 2100 calories. Ouais. Un peu plus maintenant. Ouais. Donc une raclette ça va être bon quoi, un cheat meal à fond la raclette ce midi. Bon bah toi tu manges pas raclette, tu manges quoi toi? Moi je sais pas encore. Ah c'est le moment que j'ai préparé? Oui, c'est la surprise. Et tu t'aimes bien quand c'est des surprises? Moi en général quand les surprises je suis pas trop fan. Hein. Bah ça dépend, si c'est des choses que j'aime bien, oui ça va, mais bon,
À moi, voir. Moi, je sais que c'est raclette parce que moi, là, je suis content de rentrer. Ouais. Bon, des fois, quand tu c'est une surprise, en général, c'est salade, thon. Ouais, c'est pas pareil. T'es pas trop content de bouffer, quoi. Bon, voilà, les copains. Bah, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, les copains. Ciao. Yes. Bon dimanche. Bon dimanche et bonne année. Allez, bonne année. On va le répéter pendant tout le mois, comme ça, ce sera bonne année. Toutes les vidéos, tout janvier, on dit bonne année. Voilà. Ok, les grands. Et puis, bientôt 500 abonnés. On est bientôt pour un virage de la plus vieille. Le deuxième virage, c'est 1000. Voilà. Merci à tous. Allez, bonne galette. Bonne galette, les mecs. Ciao. Ciao.